Et what's up tout le monde, c'est Mimogoy, on se retrouve sur Tekken 7 pour la suite de ce let's play de mort. Mec, je sais que je pète un câble sur les jeux, mais là, mec, y a plus aucun sens dans le gameplay. Il n'y a littéralement plus aucun sens dans le gameplay. Le bot fait 46 000 fois la même attaque, il est insensible à 46 000 fois de toutes tes autos en fait. Tu peux pas le cancel, tu peux rien faire. C'est absolument abusé, genre. En fait, genre... Genre là par exemple, je viens de faire l'attaque, hein. Là, regarde. Là, regarde, déjà comme par hasard. Le bot il recule. Le bot il recule, il fait des attaques. Il est over OP, frère. C'est abusé, genre, mec, je commence à péter un câble, genre. Mais frère, regarde. Frère, déjà 1, 2, 1, il est insensible. De 2, quand il est insensible à nouveau, il est re-insensible, il te refrappe, regarde. Non mais c'est mais arrête de frapper, frère. Est-ce que moi tu me vois faire ça? Est-ce que moi tu me vois faire ça? Il vient de faire 3 fois la même attaque. 3 fois la même attaque, vous vous rendez compte? Même un être humain ne spamme pas autant qu'un bot, genre. Littéralement, même un bot ne spamme pas autant que... Mais... Même un être humain ne spamme pas autant que lui, en fait. Il a récupéré toute sa vie. Oh putain, il m'a fait flipper, en fait. Mec, même un bot ne spamme pas autant que lui, genre. Mais quoi? Non mais arrête de spam, frère. Je suis en train de vous détruire les... Quoi? Mais à quel moment? Putain, oh non, j'ai cru que je l'avais tué. Tiens. Il meurt pas. Il est pas mort. Il a régène sa vie. Il a régène sa vie. Ah ok, d'accord, c'est dans l'histoire. Mec, j'ai flippé. Non, franchement, excusez-moi, parce que l'épisode juste d'avant, j'ai fait que vous gueuler dessus. Et cet épisode, je vous fais que vous gueuler dessus, genre dès le début. Je suis grave désolé. Mais les jeux comme ça où y a plus aucun sens, en fait, littéralement, je commence à détester, genre. Mec, y a... C'est pas je suis nul, en fait, y a plus aucun sens dans le gameplay. Mec, il n'y a plus aucun sens. Mais qui est ce type et quel est l'entité de ses pouvoirs? Frère, tu sais même pas c'est qui Akuma ou pas? Ou quoi? À l'instant où je suis rentré de Kyoto, j'ai appris que l'hostilité s'était encore intensifiée. Les médias ne cessent d'évoquer Zaibatsu et la G Corporation, ainsi qu'un assaut sur le Violet System, l'entreprise de Lee. C'est alors que j'ai reçu un email en provenance de Lee en personne. Il m'expliquait qu'il tenait à me présenter quelqu'un qui connaissait parfaitement Domichi Zaibatsu. Mon enquête était de nouveau sur les rails. L'email s'achevait en mentionnant un nom qui m'était alors inconnu. Lars Alexanderson. Quoi? Pensez-vous vraiment que nous trouvons Lars dans un lieu pareil? Oui, je loge les déserteurs de la Mishima Zaibatsu dans ce genre d'endroit. Plus un geste. C'est ainsi que vous traitez les avocats à Lars et la cordialité alors. À votre époque, il faut être prudent, vous savez. What the fuck?
再開 まさに excellent Encore, frère, ils savent exactement où on est, quand on est, genre. Lars, on dirait un mec d'un autre jeu. Genre, même pas de Tekken, d'un autre jeu. Genre, ça dégaine de derrière, pour ceux qui voient, ça me dit un jeu, genre. ジンを必要とする理由があるのだろう。それは多数の生体反応を確認。鉄拳衆です。鍵つかれたか。私も行きます。これをつけ。了解。排除します。 Mais what? Genre c'est littéralement gratuit mec hein. Oh non mais c'est encore elle avec ses attaques bizarres là. Frère ce jeu est pas facile pour moi. Je suis même pas en mode moyen, tu sais pourquoi? Parce qu'ils enchaînent les... Mec, ils enchaînent, regarde, ils enchaînent les combos, genre. Elle m'a littéralement pas laissé jouer depuis le début, hein. Elle m'a littéralement pas laissé jouer depuis le début. Mais frère! Mais frère! En fait, elle fait que de me mettre en l'air et me combo, genre, à longueur de temps. J'ai pas pu jouer, j'ai pas pu jouer ne serait-ce qu'une seule fois. J'ai littéralement pas pu jouer, en fait. Ça a pas de sens. Ce jeu est même pas en mode facile, c'est en mode normal, c'est impossible. Les bots ne... Mais frère, je me protège en fait, je prends un coup gratuit. Mais frère! Non mais frère... C'est abusé, en plus c'est moi qui prends le plus de dégâts quoi. Mais what? Mais what? Mais d'où tu fais des esquives comme ça en fait? D'où? Mais wesh mais frère déjà de 1 elle fait des trucs chelous mais... Je pétais un câble littéralement. Mais frère c'est quoi ça? Elle fait des bulles bizarres avec son corps. Elle fait des bulles bizarres avec son corps. Elle fait des bulles bizarres avec son corps wesh. C'est quoi ça? Comment tu gagnes contre une meuf? Déjà je peux même pas me protéger. Dès le début je peux même pas me protéger. Je me prends un coup gratuit genre. Dès le début du jeu gros tu prends un coup gratuit. Tu peux plus rien faire. Mais frère regarde. Regarde. Est-ce que moi tu me vois faire des trucs comme ça? Est-ce que moi tu me vois faire des trucs bizarres genre? Déjà je joue avec ma tête genre. C'est même pas normal. C'est même pas normal ce jeu. C'est même pas normal. Est-ce que moi tu me vois faire des trucs bizarres? Mais lâche-moi en fait, lâche-moi. Je peux même pas counter. Le jeu a plus aucun sens genre. Je suis obligé de spam ce spell pour essayer ne serait-ce que gagner genre. Mais elle me counter. Mais quoi? Quoi? Mais quoi? À quel moment? À quel moment? À quel moment? À quel moment? À quel moment tu esquives avec la tête et tu craches du poison de la bouche? Tu es un humain ou c'est comment? Tu es un... Mais défends-toi! Putain, c'est gratuit, hein. Mais quoi? Mais je lui mets un coup dans la tête! Putain, mec, j'en ai marre. Mais quoi? Mais wesh, non mais elle c'est le comble du comble mec hein. Plus cheater y'a pas hein. Mais elle esquive avec la tête. Elle esquive avec la tête genre avec une précision genre absolue genre.
Mais mec, non, je peux pas gagner en fait, je peux pas gagner. Mec, je mets le jeu en mode facile, c'est pas possible. Même en mode facile, j'en suis sûr qu'ils font des techniques genre absolument cheatées, genre. Wesh! Déjà là, regarde, tu te manges un coup facile en fait. Dès le début du jeu, tu te manges un coup. Elle fait des techniques cheloues avec son corps. Elle t'enchaîne en fait, elle t'enchaîne. Tu peux même pas contre-attaquer, genre. Tu te fais enchaîner littéralement. Là, à nouveau, hein. Je peux pas. Mec. Mais que quoi? Regarde. Il est où le gameplay? Même sur Dead or Alive, je m'en sortais mieux. Même sur Dead or Alive, je m'en sortais mieux. Mais what? Mec, je me lève à peine. Laisse-moi taper aussi, genre. Mais what? Quoi? Non mais. Sale chouin, va. Bon, pas les coups, je fais que ça. J'ai rien à la foutre. Quitte à gagner, je fais que. Mais what? Mais je me fais taper en free en fait. Frère, tu t'es pris pour la veuve Nord ou quoi, genre? C'est gratuit en fait. Elle me fait des techniques bizarres avec ses mains, des ronds, des cercles, violets, roses, oranges, gratuitement, littéralement. Mec! C'est plus un jeu en fait. Pour moi, c'est plus un jeu en fait. Le bot est littéralement plus fort qu'un être humain. Niveau moyen, il te spam un spell. Encore plus qu'un être humain. Un être humain qui sait pas jouer va dire ok, LB c'est pour jouer. Et avoir un item cheaté, y'a pas de souci. Bah je vais faire que cette touche. Le jeu lui il va faire LB x 17. Tiens déjà voilà, qu'est-ce qui met des dégâts genre dès le début de la game? Qu'est-ce qui met des dégâts maintenant, sale pute, va. Tiens, qu'est-ce qui met des dégâts? Petite pute. Tu m'as entendu? Inarichi de mes couilles, va. Pute. Quoi, il joue encore? On bat les couilles, hein. Je m'en bats les couilles. Elle fait des attaques cheloues, mec. Je veux lui faire que ça, j'en ai rien à foutre. Voilà, m'en fous. Y'a pas de gameplay, mais je m'en branle. Quoi? À quel moment? Vous voyez en fait, tu lui spammes pas la même attaque, frère. Elle te fait des trucs chelous, hein. Pute. Tiens, reste au sol. Chouin, va. Mec, je deviens vénère, genre. J'espère qu'elle est morte. J'espère qu'elle meurt et qu'on peut plus jamais la jouer, cette joueuse. J'espère qu'elle meurt. C'était ça votre plan, attirer l'ennemi ici et tout faire sauter. Nous tenons Jin, c'est ce qui signifie qu'il fonctionne comme prévu. Et pas d'inquiétude, le Michimasen Zaibatsu nous payera ça avec les intérêts. Quant à vous, Jin, je vais avoir besoin de vous. Déjà que nous allons devoir
Quelques retards de grand final. Qu'espère-t-il accomplir en abritant Jean? En tout cas, voilà ce qui devrait être intéressant. Sale pute, toi, t'es même pas morte. Casse la tête. Chapitre 10, fausse rumeur, les Alexandrons étaient le plus loin quand Lee m'avait décrit en m'impliquant comment il a échappé à la missurgie. Divisé la Tekken Force ont été fondés par des rebelles. Je me l'étais imaginé radicalement différent. Son regard était d'une tristesse infinie. Dans l'air stérile du violet tranché où Lee et lui s'étaient retranchés. Lars m'a expliqué qu'il était le fils légitime d'Heihachi. Ce dernier lui avait donné la naissance afin de prouver que le gène du diable ne provenait pas de lui. C'est la seule raison de l'existence de Lars. J'avais du mal à contenir mon excitation seulement. J'étais en présence d'un parent direct d'Heihachi, mais quelle révélation. Alors que Lars et Lee discutaient, j'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose qui m'a fait un choc. Jin Kazama avait été découvert. Jin Kazama, le fils de Kazuya et le père, le petit-fils d'Heihachi. La haine que j'avais réussi à réprimer est brusquement remontée à la surface. C'était à cause de Jin que j'avais tout perdu. Oh, c'est bon, calme ton sexe, frère. Puis comme il parvenait enfin à exprimer son sentiment sale, Lars a murmuré. Pour que cette guerre cesse, il va falloir tout mettre sur le dos de Jin. Impossible de se tromper sur le sens de ses paroles. J'en ai trop marre de ces robots déjà de 1 là. Ils me cassent la tête. À spammer la même attaque là, H24 là. À plusieurs kilomètres du dojo Mishima. J'ai beau essayer, je n'arriverai pas à comprendre. Akuma, comment as-tu pu connaître Kazumi? Nous poursuivons actuellement Akuma. Il disait vouloir tuer Kazuya et moi. Ce qui signifie qu'il est désormais à s'en prendre à Kazuya. Qu'est-il arrivé à Jin? On dirait que toute notre unité s'est fait massacrer. Ah, c'est une véritable anguille, bien. Akuma est entré en jeu et on veut à la mort de Kazuya, Jin a disparu. Il devrait pouvoir retourner la situation à mon avantage. En somme, les gens entier que je suis mort, le tournoi est annulé. Ah bah apparemment il sait que t'as envie. Ou alors il est chez Truc Corporation. Jugement céleste, il a envie, c'est la première chose que j'ai pensé en voyant Jin Kazama. J'ai profité de l'occasion pour subtiliser et le glisser dans ma poche, j'ai même pas vu ce qu'il a subtilisé. L'homme qui m'avait tout pris était là devant mes yeux. Une telle opportunité ne se retrouvera sans doute jamais. Mais j'ai pas eu les Rorones. Et la clé pour faire cesser cette guerre. C'était comme si Lars l'avait capable de lire dans mes pensées. Il m'a expliqué que quand Jin se réveillera, il comptait bien utiliser son pouvoir pour mettre un terme au combat. J'ai juste pu hocher la tête, incapable de que j'étais de parler. Pouf type. Je sais pas t'es qui, mais t'es naze. Hein. Nous avons reçu une nouvelle de l'unité d'enquêteurs. Comme prévu, la cible se dirige. Oh, pardon. Comme une traînée de poudre en terminait, victoire de la corporation. Ceci se déroule comme prévu, ils avaient terminé avec les préparatifs.
Face à Akuma, Kazuma n'aura d'autre choix que de prendre sa forme démoniaque. Nous transmettons les images dès que nous donnerons l'ordre, monsieur. Quand le monde saura pour Kazuma, il sera encore en confiance à la corporation. Je rends l'air de ma tête, genre Akuma, Kazuya, vos deux vies sont entre mes mains. Heihachi, Mishima n'est plus. La mort d'Heihachi signifie-t-elle la fin de la guerre? Ah si, tu as fini par venir. N'essayerai pas à le retenir, ce n'est pas les tailles. Coup de gelée sur le toit. Vous avez donc choisi le lieu de votre mort, Kazuya Mishima. Non, j'ai choisi l'endroit où tu vas être enterré. C'est un thug. Avant que je te tue, dis-moi d'où tu connais ma mère. Qui es-tu au juste? Une relique de Hachijo? Un jour, Kazuma m'a sauvé la vie, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Mais frère, Kazumi allait aller dans Street Fighter ou quoi? L'heure est enfin venue pour moi de payer ma dette. Très bien, voyons ce que tu es fait. Ah merde, je joue à Akuma, frère. Ouais, ça commence mal déjà. Ah putain, il a bien joué. Mais Akuma, en fait, le problème de ces persos, c'est qu'ils sont lents et j'aime pas les persos lents. Les persos gros et lents, je déteste ça. Wesh. J'essaye de faire le Hadoken depuis tout à l'heure, j'y arrivais pas. Il est moins chiant que Heihachi, non, je vous promets qu'il est moins chiant que Heihachi. Akuma, si il connaissait vraiment Kazumi. Nous avons réussi à enregistrer la forme démoniaque de Kazuma avec Mishima.
Kazuma est mort depuis longtemps, rien ne pourra m'en changer ces états de fait. Lancer la séquence finale. Finissons-en maintenant. Bon, ça c'est que dans les animes, hein. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Ça y est, le monde va enfin être témoin de votre triomphe. C'est clairement Barbe Noire, quoi. Chapitre 2, le cas, puisque j'étais incapable de détourner les yeux de l'écran. À côté de moi, Lee et Lars aboyaient fréniquement à leur destruction, essayaient de découvrir si ces images directes étaient vraies ou non. Le démon visible à l'écran ne semblait en rien à ce que j'avais imaginé. Il était bien plus horrible, l'incarnation même du malin. La créature du mal que vous voyez serait apparemment Kazuma Mishima, c'est qui contrôlait la G-Corporation dans le plus grand secret. Les grands de ce monde se demandaient s'ils doivent croire. Les rapports indiquent que la créature avait été vaincue par le Mishima Zaibatsu. Depuis le début, je croyais que cette guerre ne concernait que les humains. Que la mort des miens, toutes ces décisions étaient le fait des hommes. Misérable, tu es le toupet qui m'attaquait avec moi. Je sais pas c'est qui, mais il avait la voix de Yasuo. J'ai fait ce que vous m'avez demandé, je ne peux rien faire d'autre. En effet, le monde dépend désormais de moi. Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité, espèce de monstre. Les images ne sont pas encore été confirmées, mais il semblerait que finalement que ma chemise est bleue soit du bon côté. Se retourne contre nous, nous manquons d'options. Aucune importance, il y a bien qui rira le dernier. J'ai une source en ligne, le Mishima Zaibatsu a battu son propre satellite. Regardez, il est là. Qu'est-ce que ça signifie? Faut foutre le camp d'ici, vite. Chapitre 13. Ouais, bah tu vas te calmer, chapitre 13. Bref, sur ce, les gens, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like, à activer la petite cloche. Ça fait grave plaisir. Merci bien. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du let's play qui me fait quand même pas mal rager, hein. Mais bon, on fait avec. Sur ce, à la prochaine.